la prochaine slide. Alors, on pourrait effectivement, et c'est ce que beaucoup, et pas seulement les agriculteurs défenseurs du bio avancent, il faut en revenir aux priorités du Code de l'environnement et à partir de cette hiérarchisation que le Code a fait, s'en tenir et distribuer l'eau en fonction. Un, la priorité, c'est l'alimentation en eau potable et la qualité. Deux, le maintien en état des lieux selon la logique de bon état écologique du domaine. Trois, viennent alors les activités économiques, l'irrigation, l'agriculture. Et quatre, en dernier lieu, les usages de loisirs, pêche, plaisanciers, etc. Et si l'on pouvait suivre effectivement cette hiérarchie des priorités de l'usage de l'eau et de la distribution de l'eau et de la consommation de l'eau, sans doute calmerait-on sans doute les conflits. William, merci. Et la deuxième, alors vous voyez, j'ai mis cette affiche parce que j'ai découvert tout à coup qu'effectivement, pendant ces jours-là, d'aujourd'hui et jusqu'au 27, il y a un printemps maraîchin contre les méga-bassines. Donc le conflit continue et n'arrête pas d'être effectivement, de mobiliser les uns et les autres. La deuxième, ben, on en a parlé, je vais aller vite, bien commun et décision collective. À partir du moment où on considère qu'effectivement, parce que personne ne conteste que l'eau est un bien commun, alors elle n'appartient pas aux irrigants, il doit y avoir une gestion publique de l'eau. Et ce que je vais directement au cœur de l'argument, et vous pouvez retrouver d'ailleurs cet excellent entretien dans l'Académie, enfin l'Académie d'agriculture qui tient des séances tous les mois, fait des enregistrements de ces séances. Et c'est l'enregistrement du 17 mai 2000, attendez, 2019 ou 2020, je ne sais plus, qui rencontre de cette problématique qui se passe en Vendée. Et qui est extrêmement intéressant. On crée un stockage pour ce qui est notre patrimoine commun avec 100% d'argent public. Hein, 100% d'argent public. On décide, c'était Bitto, je propose l'aménagement selon lequel l'organisme de gestion, c'est la communauté, autrement, ce sont les intercommunalités qui sont élues par les citoyens, dont les autorités sont élues par les citoyens, qui sollicitent, et c'est celles qui sollicitent la compétence GEMAPI, qui est en mesure finalement d'édicter les normes pour gérer l'eau. C'est à la communauté de communes de gérer ce dossier. Et donc, ce n'est pas à l'OUGC ou ce n'est pas dans les instances où la FNSEA est majoritaire pour une raison finalement de longue distance, parce que c'est la tradition. Et en faisant intervenir ce terme de tradition, qui effectivement a solidifié les usages et a vraiment fixé les échanges, j'arrive à la slide suivante, puisque c'est une des dimensions. Je change de sujet. Ce n'est plus l'agriculture dont je traite, mais c'est un cas d'étude que j'ai pris dans l'étude et qui est la Camargue et qui est extrêmement intéressant. C'est vraiment un condensé, pour le coup, de tous ces conflits d'usage autour de l'eau. Donc, vous avez la Camargue là. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais en haut, vous avez la ville d'Arles. À gauche, vous avez Aigues-Mortes. Au milieu, vous avez les Saintes-Maries de la mer. Et puis, Port-Saint-Louis-du-Rhône en bas. Donc, ça fait vraiment un triangle. Au milieu, vous avez l'étang de Vacarès. Et l'étang de Vacarès est extrêmement intéressant parce qu'il a été décidé que ce serait un étang en quelque sorte tampon entre deux zones qui sont en opposition depuis plus d'un siècle autour de l'eau. La zone nord qui est irriguée, surtout où les agriculteurs pompaient et pompent encore l'eau du Rhône et pour une eau douce, c'est une eau douce, et donc les cultures qui vont avec. Et dans le sud, c'est la couleur rose que vous avez à droite, vous avez Aigues-Mortes, pardon, à gauche, et puis en bas, surtout les Salins de Giroux. Et vous avez ces grosses entreprises de sel, qui font du sel, qui ont réduit leur voilure pour des raisons économiques, historiques, etc., qui ont laisser beaucoup de territoire au conservatoire. Et là, on a des oppositions entre l'eau salée, l'eau douce. Mais plus exactement, on a des oppositions entre deux types d'agriculture. Bon, la même, celle qu'on a vue, entre une grande agriculture. Mais ce n'est pas tant cela que je souligne là. Ce qui est intéressant, c'est que les conflits, ils résultent de la propriété, du système de propriété. Finalement, en Camargue, on a des grandes propriétés, de grands latifondières qui peuvent être éleveurs, qui peuvent être aussi riziculteurs,
et qui ont en quelque sorte développé tout un système, et qui ne date pas des dernières années ni des dernières décennies, mais tout un système, disons, qu'on peut définir comme proprement patriarcal ou clientéliste, où les chasseurs, et je veux y venir à cette population des chasseurs, donc ont des possibilités et trouvent moyen par cette couverture ou par cette protection pour se livrer à leur passe-temps favori. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que la chasse, elle se divise. Il y a deux systèmes de chasse. Il y a une chasse municipale, donc à Arles, au Sainte-Marie, à Port-Saint-Louis, où le droit de chasse, il n'est pas très élevé pour les chasseurs. Il est d'ordre de 500 000 euros et chacun peut se livrer à son sport avec cette somme-là, pourvu qu'il respecte les règles. Et puis, il y a surtout, et ça, c'est le cas particulier de la Camargue, l'organisation totalement privée, donc dépendant des systèmes de la propriété, et où là, les tickets d'entrée, ils sont extrêmement élevés. 6 000, 8 000, j'ai même entendu jusqu'à 20 000 euros le ticket, et donc pour chasser, et donc évidemment une très grande opposition entre cette propriété latifundière qui entretient un système de chasse avec des chasseurs, des pêcheurs, etc., et puis ceux qui défendent une agriculture biologique, ceux qui défendent le laisser l'eau, moins de digues, comme là, il y en a pour le coup beaucoup sur ce territoire, rendre finalement la mer ou rendre à la mer finalement certains territoires et évidemment une opposition avec les chasseurs. Voilà, donc c'est des droits d'usage qui s'enracinent dans la tradition et c'est ce que je voudrais souligner dans la dernière slide, William. Voilà, donc alors le conservatoire, donc c'est l'avant-dernière slide. Sur les terrains du conservatoire, donc est un acteur extrêmement important, qui est l'État, qui acquiert des terres et qui a pour objectif, un, de les remettre aux communautés de communes, enfin aux communes qui le souhaitent, pour finalement avoir une activité patrimoniale, c'est-à-dire de conservation des territoires et non pas d'activité économique, de la rendre à l'agriculture, etc., puisque l'agriculture n'est pas soutenue dans ce type de politique. Il y a des paysans sur ces territoires qui sont acquis par le conservatoire et qui, du coup, sont liés au conservatoire par des conventions d'occupation temporaire. Donc, en fait, ça n'est pas pérenne, l'agriculture n'est pas pérennisée, puisque l'idée, c'est bien de rendre à la nature ses propres droits. Donc, le conservatoire n'est pas légalement tenu de conserver l'activité agricole, mais il faut dire que l'usage veut que les activités de pâture sont conservées, les activités de chasse aussi sont conservées, pourvu que les règles d'un partage commun soient respectées. Donc, en principe, il n'y a ni maïs, ni riz, ni maraîchage, mais il y a des activités où les usages divers des différents acteurs peuvent néanmoins se combiner. Dernière slide, William, s'il vous plaît. Voilà, les chasseurs, si c'est une population extrêmement importante, parce qu'en fait, elle draine beaucoup de problématiques. La problématique sociale, je devrais dire en fait une problématique identitaire, l'attachement des chasseurs à leur activité, à la terre, est extrêmement forte, et c'est pour ça qu'ils se revendiquent défenseurs de la nature et entendent la gérer, évidemment, selon leurs propres objectifs, et des pratiques identitaires qui, s'ancrent dans l'usage des barriques dans lesquelles les familles, alors là, quand vous parlez avec les chasseurs, ils peuvent en parler, pas toute la nuit, mais très longtemps, effectivement, c'est une tradition familiale. Une problématique économique, puisque vous avez ces fameuses baraques qu'on appelle huttes, qu'on appelle gabions, qu'on appelle tonnes, qu'on appelle cabanes, qui sont flottantes, qui sont plats flottantes, et bien elles représentent quand même un coût très élevé, puisque habituellement on les échange à 100 000 euros, hein, 100 000 euros, c'est pas énorme, hein, ce sont pas des maisons, mais ça dépasse les 200 000 euros, je les ai trouvés plus de 200 000 en Charente-Maritime. Quant à la bête somme, c'est plus de 300 000 euros. Et là, on comprend finalement comment l'usage de la chasse rentre en conflit avec ceux qui avancent l'idée qu'on pourrait laisser finalement l'eau rentrer
et l'eau rentrer dans les bas-champs, puisque ce sont les bas-champs en Baie-de-Somme, et qu'ils s'opposent effectivement à ces intérêts économiques. Mais ça, pas seulement des intérêts économiques. Il y a la problématique juridique, parce qu'en fait, finalement, ça s'enracine dans la tradition et qu'il n'y a pas de titre. Et puis, parce que les grands-parents l'ont fait, parce que le père l'a fait, etc. Et c'est totalement illégal. Et pourtant, il n'y a pas de conflit avec les élus. Il y a même un consensus tacite, enfin, c'est ce que j'ai pu juger en parlant avec Port-Saint-Louis, où on voit ces gabions là, partout, mais personne n'est capable de dire qui est le propriétaire, bon, sinon celui qui l'habite. Et puis, c'est une problématique politique, et c'est celle sur laquelle je voudrais finir. Ils ont un poids politique extrêmement fort. La dernière slide, et j'en aurai fini, je mentionne deux citations qui m'ont été faites, voilà, par deux élus. Alors, j'ai juste le temps de les lire. Élu du Brouage, à gauche, les chasseurs, ils sont très puissants. Rien ne peut se faire sans eux. Ils peuvent et ils savent mettre 300 personnes dans une salle. Et là, vous savez, ils ont de l'influence. On compte 250 chasseurs sur 1500 membres dans notre association d'agriculture pastorale. Ils ont peur qu'on les restreigne dans leur activité. Ils savent qu'ils sont au maximum de ce qu'ils peuvent faire. L'opinion publique ne leur est pas favorable, mais nombre de maires leur sont acquis. S'ils ne le sont pas, ils ne seront pas réélus. Cela peut paraître inimaginable, cette tolérance à leur égard, voire inadmissible, mais c'est l'acquis révolutionnaire. Et donc, c'est antidémocratique si on le leur interdit. Et on voit bien comment, finalement, cette problématique des usages ancrés dans les traditions s'alimente effectivement d'une mémoire collective, à la limite qu'on a envie de dire, qui est indépassable et qui est irréfutable, même si on a tous les arguments par ailleurs pour la réfuter. Et l'autre, c'est un élu d'une très grande ville du Nord, qui est député, etc., qui me disait « Les chasseurs ici, ce sont des mauvais. On a été obligé d'élitreiller Vincent Payon parce qu'on lui tirait dessus avec des cailloux au motif qu'il s'était déclaré contre la chasse. Ils ont mis le feu à sa permanence. Les agriculteurs des bas-champs, ce sont des gens simples, hutte de chasse, mare de chasse, et puis basta. L'agitation des volatiles, ça les rend fous. Les oies, ça les hystérise. Ils veulent les tuer, c'est du gibier. » Des dingues. Et comme les femmes ne veulent plus les plumer et les bouchers ne veulent plus les vendre, du coup, après les battues, on les retrouve dans les poubelles. Voilà. C'est une population pauvre, gilets jaunes, anti-vax, etc. Sont à la banque alimentaire que je dis rouge, à la louche, je ne sais pas combien, mais ce sont toutes les familles, le grand-père, les parents, les enfants. C'est la même mentalité que les agriculteurs avec les engrais. On a beau leur démontrer la nocivité de leurs engrais, ils continuent. Et c'est vrai qu'on n'arrête pas de leur demander des efforts. Mais dès qu'on parle de réglementation, ça les rend fous. Et voilà pourquoi ces conflits d'usage sont extrêmement complexes. Dès que l'on prend en compte, et on doit le prendre en compte effectivement, la tradition, les mémoires familiales, les mémoires générationnelles, avec d'autres effectivement usages qui sont plus neufs, qui sont portés par d'autres populations effectivement, qui sont décriées toutes sous la catégorie évidemment des Parisiens, et qui apportent des exigences qui rentrent en conflit avec ces usages. Je vous remercie. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Je ne crois pas qu'il y ait de questions. En tout cas, si vous en avez qui viennent en cours, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, merci beaucoup pour cette présentation qui montre que donc, les enjeux liés à la ressource en eau sont bien plus complexes qu'on peut l'imaginer. Je vais donc enchaîner avec notre prochain intervenant. Donc Jérémy Bonneau, qui est post-doctorant à l'INRAE et qui va lui nous parler des solutions fondées sur la nature, donc ces solutions qui s'appuient très souvent sur l'eau, et en quoi est-ce que ça peut représenter des solutions pour les questions d'adaptation en milieu urbain, tout à fait. Voilà, donc je vous donne la parole, Jérémy. D'accord, ouais, merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? La présentation est visible. Voilà, ouais, c'est parfait là. Super, et bien nickel. Eh bien, bonjour à tous. Alors, donc effectivement, je m'appelle Jérémy Bonneau, je suis hydrologue dans l'unité de recherche Riverly de l'INRAE. Et donc, je travaille sur la réponse des cours d'eau aux changements globaux, c'est-à-dire urbanisation et changement climatique. Et donc, je vais vous parler des solutions fondées sur la nature comme un des leviers d'adaptation face à ces changements. Et donc, ça sera une présentation peut-être un peu plus technique que ce qu'on a vu jusqu'ici. Donc, j'espère ne pas trop vous ennuyer avec trop de graphiques. Donc, pour recontextualiser les études, la problématique urbaine,
quand on prend une parcelle non développée, non urbanisée, les flux principaux de l'hydrologie, les flux principaux du cycle de l'eau, ça a été répété en introduction, sont l'évapotranspiration, l'eau elle est consommée par la végétation ou alors elle s'infiltre. Et donc pour les ruisseaux, on voit un ruisseau qui traverse l'image, on a un régime d'écoulement, c'est-à-dire des variations de débit au cours du temps qu'on peut considérer comme pré-urbain ou naturel. Et bien maintenant, la même parcelle, mais quelques années plus tard, donc on a urbanisé notre bassin versant, et là on imagine bien qu'en recouvrant les sols avec des surfaces imperméables, on a complètement perdu le flux d'infiltration, complètement perdu le flux d'évapotranspiration, et le flux principal sur ce bassin devient le ruissellement imperméable qu'il faut donc gérer. Et on a historiquement géré ces eaux pluviales avec des tuyaux, hein. On a essayé de dégager cette eau le plus rapidement possible de nos villes, avec pour conséquence pour les cours d'eau, un cours d'eau urbain qui est toujours présent, une diminution des débits de temps sec, il y a moins d'eau dans les sols car j'ai moins d'infiltration, une augmentation de la fréquence et de l'intensité des réponses aux événements pluvieux avec tout un tas de problèmes de risque de crue, de dégradation de la qualité des eaux associées. En milieu urbain, vient se greffer également la problématique des îlots de chaleur urbains, donc qui commence à être bien connu maintenant. On sait que les matériaux urbains absorbent la chaleur la journée. Cette chaleur elle est restituée surtout la nuit et en absence de source de refroidissement, pas d'eau, pas de végétation. On observe des dômes de chaleur au-dessus des villes. Hein. On observe des différences de température entre la campagne alentourante et les centres-villes de plusieurs degrés, en sachant que ces différences elles peuvent monter à 8 ou 10 degrés pendant les vagues de chaleur. On a aussi un phénomène de pluie urbaine. Hein. Le dôme de chaleur va nous créer des précipitations qui sont plus intenses au-dessus des villes. Alors, le changement climatique, on en a parlé, va nous amener plus de pluies intenses et plus de périodes sèches. Donc là, j'ai illustré avec des données qui viennent du portail Drias de Météo France hein, sur les futurs de climat. Les futurs du climat qui sont des médianes d'un ensemble de projections climatiques sur plusieurs horizons temporels, proches, moyens, 2040, 2070 ou fin de siècle. Et on voit que plus on est bleu sur les graphes du haut, plus le nombre de jours en précipitations extrêmes va augmenter hein, et plus on est rouge en bas, plus le nombre de jours chauds augmente, et donc on est face en fait à une aggravation de l'impact de l'urbanisation sur les cours d'eau, hein, plus d'eau en temps de pluie et moins d'eau en temps sec. Quand on travaille sur des problématiques urbaines, on s'intéresse à ces augmentations hein, de précipitations extrêmes et de températures, elles sont encore plus prononcées en milieu urbain, parce qu'on s'intéresse à des pluies qui sont relativement courtes, souvent en milieu urbain. On a des pluies de dimensionnement ou des pluies d'études qui peuvent durer une heure, quelques heures. On s'intéresse même parfois à des variations sur quelques minutes. Et donc ça, ce sont des échelles temporelles auxquelles on a du mal à faire de la projection climatique. Et on peut voir, par exemple, une illustration d'une étude, d'un modèle, d'une projection climatique hein, qui nous montre une évolution possible d'une pluie qui dure une heure, qui a une période de retour de 5 ans, c'est-à-dire une pluie qui en moyenne, on va observer une fois tous les 5 ans. Et on voit que sur la France, on constate déjà une forte variabilité géographique et spatiale. Hein. Le changement climatique prend différentes formes sur le territoire, mais on a des augmentations qui sont de l'ordre de 20%, 40%, jusqu'à 50%, sur les pluies qui typiquement sont utilisées pour ou ont été utilisées dans le passé pour dimensionner les ouvrages. Et donc on va se retrouver avec ces 20, 30, 40% d'eau en plus à gérer pour garder le même niveau de performance de l'infrastructure existante. Et donc on voit qu'on a une combinaison de problèmes, hein, de l'eau à gérer, donc on peut agrandir des réseaux d'assainissement, on imagine bien les difficultés, hein, des milliers de kilomètres de linéaires de réseau en France, on peut construire du stockage, on peut bien évidemment chercher des solutions pour diminuer le ruissellement, et ces solutions elles vont également se combiner avec des solutions qui vont nous permettre de refroidir nos villes, et donc ces solutions, on les appelle solutions basées sur la nature, on les appelle également solutions de déconnexion des surfaces imperméables, solutions de désimperméabilisation, on les a appelées techniques alternatives car elles sont alternatives
à la gestion des eaux pluviales en tuyaux. Et l'idée, c'est vraiment de remettre les flux naturels perdus par l'urbanisation en ville, c'est-à-dire réinfiltrer les eaux, réévapotranspirer les eaux. Et donc là, on illustre, hein, j'illustre avec des jardins de pluie qui vont collecter du ruissellement qui nous provient des routes, d'une toiture. On a une noue infiltrée qui va prendre, réinfiltrer des eaux d'un parking. Et on voit là encore une illustration d'un arbre de pluie qui va réinfiltrer des eaux et réévapotranspirer les eaux d'une route. Donc, à l'échelle de l'ouvrage, ce que j'appelle l'échelle de l'ouvrage, hein, il y a énormément d'études sur ces techniques. Hein, ce que j'appelle l'échelle de l'ouvrage, c'est on veut étudier une noue, une toiture végétalisée, un jardin de pluie, et on va mettre un capteur à l'entrée, un capteur à la sortie, et puis mesurer tout un tas d'indicateurs, la baisse des débits, l'amélioration de la qualité des eaux, et ainsi de suite. Et donc, il y a des centaines et des centaines d'études qui ont été réalisées. J'illustre ici avec une étude que j'ai réalisée sur un jardin de pluie. Donc, je vous montre hein, des hydrographes, c'est-à-dire l'évolution des débits en entrée du jardin de pluie. Donc, ce sont les lignes noires. Hein. On voit les réponses aux événements pluvieux très urbaines, très intenses, très rapides. Et les courbes rouges sont les sorties de ce jardin de pluie. Donc, on a une diminution du volume et surtout une très forte atténuation de la réponse hydrologique des surfaces imperméables. Alors ça, ce sont des graphes hein, qui sont complètement généralisables et chaque étude qui observe des solutions fondées sur la nature reporte ce type de graphique. Et donc, si je reconnecte ça à notre problème de changement climatique, on a des réseaux historiques en ville, des réseaux d'assainissement, dimensionnés à partir de statistiques en climat stationnaire et historique, qui ont donc une certaine capacité, alimentées par les surfaces imperméables en ville. On a vu que le changement climatique nous apporte, pour les mêmes caractéristiques statistiques, des précipitations plus élevées, et donc potentiellement des capacités des réseaux d'assainissement rapidement saturées et rapidement atteintes. Et donc, on vient de voir hein, que les solutions fondées sur la nature en ville sont un levier, nous permettent facilement de redescendre sous les capacités des réseaux et donc sont un levier fort. Hein. On voit qu'en les installant à l'échelle d'une rue, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une parcelle, eh bien, tout d'un coup, mon réseau d'assainissement est prêt à recevoir la pluie de demain. Et donc, c'est en ça que c'est une forte solution d'adaptation. Alors, on peut ensuite se poser la question de l'impact de ces solutions fondées sur la nature, cette fois non pas sur nos réseaux d'assainissement, mais sur des cours d'eau périurbains. Si j'installe ces solutions sur tout un bassin versant, comment est-ce que mon cours d'eau va réagir? Et donc, si on regarde un petit peu la littérature, il y a beaucoup de travaux de modélisation qui, en fait, nous indiquent que ce qu'on observe à l'échelle d'un ouvrage va être répercuté sur un ruisseau, hein, à l'échelle du bassin versant. Mais en termes de travaux expérimentaux, les résultats sont plus rares. Hein. Il y a même un article de 2018 qui parlait d'une science qui émerge en parlant de l'impact des solutions fondées sur la nature à l'échelle du bassin versant. Et donc, je voudrais vous présenter une expérience australienne qui est une première mondiale. Et c'est une expérience d'installation des solutions fondées sur la nature à l'échelle de tout un bassin versant. Et donc, ces travaux, oui, je ne l'ai pas précisé, sont plus rares tout simplement pour des questions de ressources. Hein. On imagine bien qu'installer des solutions fondées sur la nature sur tout un bassin versant et surtout faire du suivi hydrologique, qualité de l'eau, écologique sur du long terme, c'est des travaux qui sont lourds. Et donc, les Australiens, depuis le début des années 2000, ont un projet un petit peu phare, le Little Stringybark Creek Project, qui est dirigé par prof Tim Fletcher et prof Chris Walsh de l'Université de Melbourne. Et donc, si je me permets de vous présenter ces résultats aujourd'hui, j'ai eu la chance, moi, de faire ma thèse sous la direction de Tim Fletcher et donc d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Et donc, l'idée du projet, c'est de restaurer un ruisseau urbain, mais sans toucher au ruisseau. Donc, c'est-à-dire de choisir ils ont choisi un bassin versant périurbain et ils ont essayé de désimperméabiliser tout le bassin versant en installant des citernes, en installant des jardins de pluie dans les rues et en faisant l'hypothèse qu'en enlevant le ruissellement urbain, la qualité du ruisseau, la qualité du cours d'eau allait progressivement s'améliorer. Et pour s'en assurer, on a des bassins versants de comparaison, c'est-à-dire des bassins versants urbains. Donc là, on les voit en violet, hein, ce sont des bassins versants urbains dégradés.
et des bassins versants naturels, hein, principalement des forêts, quasiment pas impactés par l'urbanisation. Et donc, l'hypothèse, c'est qu'en remettant les eaux urbaines dans les sols, en les stockant, en les réévapotranspirant, et en faisant un suivi de long terme de la réponse hydrologique, de la réponse de la qualité des eaux du ruisseau périurbain, le surruisseau est passé d'une condition urbaine dégradée à une condition renaturalisée et quasiment restaurée. Et donc, il y a quasiment 19 ans quasiment 20 ans, il y a 19 ans de mesures. Et donc les résultats sortent en ce moment. Il y a des études qui datent de l'année dernière, qui présentent un petit peu les résultats de l'étude. Et en gros, on peut dire que oui, ça marche. Ils observent une diminution des volumes de ruissellement et des débits de pointe, c'est clair. Une augmentation des débits de base, hein, c'est-à-dire des débits de temps sec. Et donc, principalement, on voit également une baisse de la température de l'eau en temps sec, hein, ce qui est bien la preuve d'une augmentation de la contribution de l'eau souterraine, qui est plus fraîche que l'eau de surface. Et on observe également une amélioration de la qualité des eaux, pas pour tous les polluants, c'est assez intéressant, mais là, typiquement, j'illustre avec le phosphore total. Alors, vous voyez les lignes violettes qui sont nos cours d'eau urbains dégradés, qui ont des concentrations plus élevées, les cours d'eau verts, les forêts propres et naturelles ont une concentration plus faible. Et donc, on voit notre bassin versant expérimental en orange, hein, qui, à partir de 2012-2013, à la fin de l'installation des solutions fondées sur la nature, eh bien, petit à petit est revenu. Hein, la qualité de l'eau s'est améliorée et est revenue quasiment à des niveaux naturels. Et donc ça me paraît être un message quand même assez important. Ça veut dire qu'avec de l'aménagement, qu'avec les solutions basées sur la nature, on peut en partie, hein, gommer l'impact de l'urbanisation sur les cours d'eau. Et donc ça veut peut-être même dire qu'on peut les éviter si on prévoit la ville, si on conçoit la ville en pensant à ces solutions. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ce n'est pas du tout un projet qui a été pensé comme un projet d'adaptation au changement climatique. L'idée de base, c'était vraiment de désimperméabiliser, d'essayer de restaurer un ruisseau urbain dégradé en enlevant la contribution du ruisseau urbain. Et pourtant, quand on regarde les résultats, une diminution des débits de pointe, une diminution des volumes, d'avoir remis de l'eau dans les sols et d'avoir fait baisser la température de l'eau, et bien ça, c'est de l'adaptation au changement climatique. Hein, d'une certaine façon, le bassin versant est plus prêt à affronter, le ruisseau est plus prêt à affronter un climat futur. Et donc, je voulais également parler de quelques études des solutions fondées sur la nature en climat futur. Et donc, notamment, un projet qu'on vient de terminer à l'INRA et Lyon, le projet Conséquences, hein, qui était financé par l'agence de l'eau RMC. Dans lequel on a modélisé l'hydrologie d'un petit bassin versant périurbain, donc avec un usage des sols, hein, qu'on peut voir résidentiel et agricole principalement. Et on a rentré dans notre modèle, hein, des scénarios de précipitations futures, des scénarios de température future, et on a virtuellement installé des solutions fondées sur la nature. Et on arrive à montrer, oui, que ce sont des solutions qui nous permettent de réduire les rejets au milieu de façon considérable, même en climat futur. Et réduire également les débits max en rivière, même en climat futur, mais pas exactement sous les niveaux actuels, ce qui peut s'expliquer par les contributions en fait, des zones non urbaines. Hein. J'ai beau installer des solutions dans mes zones périurbaines, mes zones résidentielles, l'eau en ruisseau vient de partout sur le bassin versant. Et donc globalement, c'est des résultats qui s'intègrent tout à fait dans ce qui peut être vu et prouvé, hein, dans la littérature internationale, hein, que oui, ces solutions, toute tentative de diminution des surfaces imperméables, elles permettent et elles participent, elles ne sont pas forcément suffisantes, mais elles participent à rendre plus résilients les cours d'eau et les réseaux d'assainissement de la ville de demain. Et attention, hein, ce ne sont pas des solutions miracles, elles ont forcément des limites. Et c'est notamment dans ce sens-là, je pense notamment aux études québécoises ou les études anglaises, hein, qui nous montrent que pour certains scénarios climatiques futurs, les solutions fondées sur la nature, elles ne sont pas suffisantes, par exemple, à réduire le risque d'inondation toute seule. Et donc, il faut l'adaptation
au changement climatique en zone urbaine passera nécessairement, en fonction des spécificités locales évidemment, par une combinaison hein, des solutions fondées sur la nature avec les solutions conventionnelles. Et un point d'interrogation également, hein, toute une série de questions de recherche qui s'ouvrent et qui me paraissent être assez intéressantes, c'est comment évolueront ces structures qu'on considère comme des ouvrages d'adaptation dans un climat futur. Et donc là, j'illustre par exemple avec une étude hollandaise de 2022, la toute récente, où les auteurs, en fait, ont ça c'est un avant-après d'un fossé d'infiltration après une vague de chaleur, après 8 jours de très haute température, et les auteurs montrent en fait une réduction de la capacité d'infiltration de l'ouvrage par un facteur 5, ce qui nous pose la question, en fait, hein, de comment, dans un climat où les vagues de chaleur seront plus fréquentes, comment est-ce que ces ouvrages réagiront, comment est-ce qu'on prend en compte le climat futur dans la conception et le dimensionnement de ces ouvrages? Et par exemple, typiquement, il y a des questions sur les espèces d'arbres et leur évolution en climat futur. Et donc, pour conclure, donc j'espère avoir montré avec quelques projets de recherche que en milieu urbain face au changement climatique, les solutions fondées sur la nature sont un levier d'adaptation hein, de façon robuste et montrée. On réduit le ruissellement, on atténue la réponse hydrologique des surfaces imperméables. Elles nous permettent même de protéger et peut-être même de restaurer hein, des cours d'eau périurbains peu dégradés en tout cas, et donc on peut en installant récupérer une qualité de l'eau satisfaisante dans les milieux périurbains. Elles rafraîchissent nos villes et elles ont tout un tas de co-bénéfices que j'ai pas mentionné pendant la présentation, mais elles ont une certaine modularité. On imagine bien que comparé à remplacer un kilomètre de linéaire de réseau, on peut les implémenter projet par projet, rue par rue, et ensuite construire hein, une ville adaptée d'un 2030, puis 2040, à horizon 2050. Ces solutions elles fournissent de l'habitat pour la biodiversité. On pense typiquement aux abeilles sur les toitures végétalisées, elles permettent de diminuer la pollution, et surtout elles répondent à une demande citoyenne hein, bien mesurée maintenant, et c'est ce besoin de remettre de la nature en ville. Et donc, ne pas oublier hein, que ce ne sont pas des solutions miracles et que la question de leur évolution au climat futur apparaît tout à fait intéressante et pour l'instant n'est pas une question résolue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je suis tout à fait disponible. Merci beaucoup Jérémy pour votre exposé très efficace et qui montre bien tout le potentiel de ces solutions, même si on l'a bien compris, il ne faut pas considérer comme des solutions miracles. On a pas encore beaucoup de questions dans le chat. Je pense que vos travaux vont intéresser certainement quelques participants. On a quelqu'un qui nous demande si on peut partager vos coordonnées. Donc, si vous en êtes d'accord, on pourra évidemment le faire. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, il nous reste environ une demi-heure pour tenter de finir ce webinaire à 17h. On a encore un sujet à évoquer. Je vais laisser Sarah pour présenter la dernière séquence de cet après-midi. Oui, merci beaucoup Jérémy. Donc la dernière séquence de cet après-midi va porter sur la mobilisation de ressources de substitution. Je propose à Géraldine Rollin de partager sa présentation. Géraldine, vous êtes responsable d'investissement eau et assainissement à la Caisse des dépôts et vous allez co-présenter avec Daniel Lepère qui est expert à la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Donc je vous laisse vous mettre en place. Oui, merci. Effectivement, je vais revenir sur le sujet du partage du partage des usages, de la conciliation des usages et des projets qu'on peut mettre en œuvre pour maintenir la capacité productive de l'agriculture sur les territoires tout en préservant les milieux, en réduisant la pression sur les milieux aquatiques. Alors, pour partager, pardon. Voilà. Vous voyez la présentation? Oui. OK. Par contre, là, vous êtes en mode présentateur, il faudrait que... Ah oui. Alors... Sur paramètres d'affichage, je crois qu'il faut cliquer en haut. Paramètres d'affichage, pardon.
Voilà, basculer entre le mode présentateur et le diapo. Ouais. Voilà. C'est bon? Super. Oui, parfait. Super. Donc, projet de substitution, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit de créer des ouvrages principalement hein, de stockage ou de transfert d'eau d'une ressource dans un territoire disponible vers un territoire où la ressource l'est moins. Alors, on a déjà parlé des fameuses bassines, des projets de retenue. Ces projets peuvent contribuer à la préservation des milieux hein, quand ces retenues sont à remplissage hivernal. Cela permet de désaisonnaliser les prélèvements. On a aussi des projets de réalimentation de nappes hein, qui existent. Des projets de transfert, on en a parlé avec le SMAR tout à l'heure. Il y a un projet assez colossal de transfert qui est le projet des Hautes-Provence-Rhodaniennes qui consiste à dériver une toute petite partie des eaux du Rhône pour irriguer des terres en déficit quantitatif dans la Drôme et dans le Vaucluse. Aussi, voilà, pour illustrer un petit peu le type de projet. Alors, ces projets aujourd'hui, pour ne pas faire l'objet de conflits tels qu'on... Monsieur Bafoy a pu mettre en avant. Il faut absolument passer par un projet territorial de gestion de l'eau, hein, ou anciennement appelé projet de gestion de la ressource en eau. Ce sont des démarches participatives qui visent le consensus, qui visent à atteindre un consensus en intégrant les intérêts des différents usagers, des différents usages et des acteurs locaux. À des agences comme INRAE qui a développé différents outils de concertation comme Couplage ou Coquelicot qui permettent voilà, d'améliorer la qualité de la concertation. Ça nécessite pour la qualité des débats hein, d'avoir des études d'impact environnemental et économique de qualité qui tiennent compte des effets du changement climatique à long terme et des scénarios possibles d'adaptation des pratiques culturelles. Là aussi, des guides, un guide IRSTEA, INRAE existe. Alors, à quelles conditions est-ce possible hein, le consensus, comme on a pu le comprendre, là aussi ne pourra être atteint que si tous les leviers des communes ont été actionnés par ailleurs. Si ces leviers ne suffisent pas à restaurer l'équilibre quantitatif des masses d'eau sur un territoire, là, effectivement, il est assez justifié de mobiliser voilà, d'autres ressources ou de se tourner vers ce type de projet. Et d'ailleurs, voilà, les retenues, les bassines sont à ce titre financées aussi par les agences de l'eau quand elles permettent d'économiser de la ressource en été et limiter les impacts sur le milieu. Alors, quels sont les leviers d'économie d'eau qu'on peut activer? La modernisation des réseaux pour réduire les pertes des réseaux d'irrigation. Une meilleure mobilisation des retenues déjà existantes en Adour-Garonne, c'est 20% des volumes qui ne sont pas utilisés. Différents projets sont en cours pour améliorer l'utilisation de ces volumes non mobilisés, qui s'expliquent par le fait que les exploitations voilà, ont évolué. On a notamment moins de cultures de maïs. Des ressources mobilisables via certains voilà, des canaux de transfert ou d'autres infrastructures qui permettent une meilleure mobilisation. Dans les leviers à actionner, il y a la restauration de la capacité d'infiltration et de rétention en eau des sols. On en a aussi parlé dans les interventions précédentes. L'adaptation des pratiques agricoles, des types de cultures, le fait de remettre des haies peut y contribuer. Et on peut jouer sur la demande, la réduction du besoin, en adoptant des pratiques d'irrigation
plus moderne, donc de précision, le goutte à goutte, en passant d'un système gravitaire à un système sous pression, ou en adaptant là encore les cultures pour étaler le besoin d'irrigation dans le temps. Alors les experts s'accordent sur quelques bonnes pratiques pour sécuriser les effets d'économie à long terme que peuvent générer des retenues à remplissage hivernal ou d'autres types de projets de substitution. Alors, c'est vraiment important de pérenniser les engagements d'adaptation, notamment des exploitants, dans des contrats multi-acteurs, parce que ces PTGE n'ont pas de valeur réglementaire et les aides publiques sont attribuées au moment de la construction des ouvrages. Et c'est très intéressant pour pérenniser les engagements qui ont été pris en termes d'adaptation des pratiques agricoles, de les contractualiser avec des mécanismes d'incitation comme des pénalités financières ou des droits de prélèvement réduits. Mettre en place une gestion collective des prélèvements, ça permet aussi de garantir l'équité sur un territoire entre les différents exploitants et de mieux atteindre les objectifs environnementaux initiaux. Sur des zones qui souffrent de problèmes de qualité de la ressource, parmi les objectifs, il est aussi important de prendre en compte des mesures de réduction d'utilisation des intrants, des phytosanitaires, des pesticides. Alors, sur le financement de ce type de projet, comme je le disais, il y a beaucoup d'aides publiques qui étaient disponibles jusqu'à maintenant pour financer des projets de substitution jusqu'à 70-80% de subventions, notamment de fonds européens, d'agences de l'eau. Alors, conditionné néanmoins à la réalisation d'économies, un minimum de 50% d'économies sur un territoire en déficit quantitatif, c'est une règle européenne. Néanmoins, dans le cadre de la nouvelle PAC, on anticipe davantage de contraintes et une baisse des aides générales pour ce type de projet. Et donc, peut se poser, je pense que c'est une inquiétude du monde agricole, la disponibilité de financement pour ce type de projet qui permet de préserver l'accès à la ressource, mais conditionné aussi à une évolution des pratiques, une adaptation des pratiques pour mieux préserver le milieu. Alors, à la Banque des Territoires, on a quelques solutions de financement à proposer. Et je voudrais d'abord parler de l'appel à manifestation d'intérêt démonstrateurs territoriaux de transition agroécologique et alimentaire, qui est financé sur le programme Investissement d'avenir. Donc la CDC, la Banque des Territoires, et pilote cet appel à manifestation d'intérêt pour le compte de l'État. Donc pour les projets démonstrateurs innovants, porté par une collectivité chef de file, mais qui peut concerner des infrastructures d'hydraulique agricole. On peut aller jusqu'à 300 000 euros de subvention en phase d'étude et 10 millions d'euros de cofinancement en phase d'exécution. Voilà, donc les dossiers sont à présenter avant juin 2022. Et dans le communiqué des Varennes agricoles de l'eau, il était spécifiquement fait mention du fait que ce programme avait aussi vocation à soutenir des investissements dans des projets collectifs d'infrastructures hydrauliques en mobilisant des technologies innovantes. Voilà, je tiens à le souligner. Et sinon, on a une offre un peu plus classique de prêts à long terme, l'aquaprêt, avec des taux qui sont les mêmes, quels que soient les emprunteurs. Pour des emprunteurs privés, on aura besoin d'une caution de 50% de l'encours d'une collectivité. Mais pour des infrastructures qui s'amortissent sur du très long terme, on va jusqu'à 60 ans de maturité, ça peut être intéressant.
Et puis, on peut aussi financer des sociétés coopératives avec des instruments de haut de bilan, du prêt subordonné ou participatif. Voilà, je vais passer la parole à Daniel Leperc de la CSCG qui va illustrer mon propos sur l'importance du caractère public, du caractère collectif en fait, de la gestion de retenue. Voilà, c'était un projet très intéressant qui, de par son historique, a prouvé qu'une gestion intelligente permettait de sécuriser des résultats en termes d'impact sur l'environnement, tout en garantissant un accès à l'eau aux exploitants. Voilà, j'espère que vous voyez ma présentation. Oui, c'est bon. D'accord, oui, ok. Oui. Alors, je précise quand même que si ça va faire totalement écho, peut-être en contrepoint de ce qu'a présenté François Bafoil, ça n'est pas, je ne cherche pas la polémique, hein, surtout pas, ne croyez pas ça. Donc, moi, je vous parle de la marée, du marais Poitevin. On a parlé des réserves de substitution, même si parfois on les appelle bassines. On vous a parlé tout à l'heure de la frange sud, c'est-à-dire Charente-Maritime, Deux-Sèvres. Moi, je vous parle de la frange nord, qui est la Vendée. Et je précise bien que autres départements, mais aussi autres régions. Et ça change un petit peu le fait politique. Il faut en être conscient. Le marais Poitevin, enfin la frange du nord du marais Poitevin, comme la frange sud d'ailleurs, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un problème classique de surexploitation de nappes. Le développement d'irrigation dans les années 80-90 est venu descendre la nappe plus bas que le niveau du marais Poitevin. Et donc, le marais s'infiltre dans la nappe, alors que c'est normalement la nappe qui doit alimenter le marais Poitevin en tout temps, c'est-à-dire même l'été, hein, puisque sinon on la sèche. Et donc, si les conflits d'usage étaient importants entre environnement qui à l'époque, enfin, on parle des années 80-90, c'était moins prégnant que maintenant, il y avait aussi des conflits d'usage entre différents agriculteurs, parce qu'il ne faut pas oublier que le marais, c'est une zone agricole importante, avec énormément d'élevage et des prairies. Le marais n'existe que parce qu'il y a des prairies, hein. Et donc, il y avait des conflits d'usage entre agriculteurs, entre ceux de la plaine qui étaient accusés de vider le marais et les maraîchins, donc les agriculteurs éleveurs situés dans le marais Poitevin. Ce qui a fait prendre conscience du problème, c'est la remontée du biseau salé. Alors attention, c'est une remontée du biseau salé qui n'est pas due à la mer directement, mais à une nappe salée qui se situe sous tout ce complexe-là. Je ne vous fais pas un cours d'hydrogéologie, mais en réalité, c'est un petit peu plus complexe que simplement la proximité de la mer, même si ça existe sur la frange ouest. Face à ce problème de montée du biseau salé et cette surexploitation de nappes, la recherche de stockage a été faite d'abord par les agriculteurs, puis par les élus, et c'est donc bien une décision d'un syndicat mixte public qui a voulu des aménagements publics. Ça s'est fait en deux temps. D'abord, le bassin des Autis, qui est globalement juste au-dessus de la Venise verte, donc un secteur très emblématique du marais Poitevin, où l'urgence à faire chez les agriculteurs était extrêmement prégnant, puisqu'ils ont bien le constat des problématiques que ça posait dans Marais Poitevin, en sachant que c'est leurs voisins qui sont embêtés parce qu'ils travaillent dans la partie marais, dans la partie touristique, parce que c'est les premiers qui étaient impactés, c'est les bateaux qui raclent fond et qui vous empêchent de faire du tourisme dans les canaux. Et puis après, il y a une deuxième suite à cette partie-là, dont je vais vous parler plus précisément, qui s'appelle les Autises, et qui ont été aménagées depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Donc c'est intéressant de voir avec du recul qu'est-ce que ça donne. Vous avez deux zones plus récentes qui sont la Vendée au sens fleuve, enfin rivière du terme, et les fleuves côtiers, qui ont été aménagés à partir de 2015. Et donc là, on a moins de recul, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de faire la comparaison entre les deux. Donc l'idée, c'est de baisser de 50% les prélèvements pour supprimer la surexploitation et avoir un écoulement permanent de la nappe vers le marais et pas d'inversion de flux. C'est ça qui est très important, c'est la suppression des inversions de flux. Je précise que ce qui a été important dans cette affaire, c'est que suite au bassin un peu pilote qu'ont fait les Autises, les aménagements des réserves de substitution de Vendée-Lay, c'est
Bon, 10 sur les Réseautis, 15 sur Vendélé, ces aménagements n'ont pas été mis en cause par les associations environnementales. Il n'y a pas eu de recours contre les autorisations, comme ça a pu être le cas, notamment dans les deux Sèvres, puisqu'on a vu l'affiche de ce qui va se passer ce week-end. C'est une problématique très, très différente entre les deux Sèvres et la Vendée, et c'est ça qui est très intéressant. La solution qui est importante, c'est bien sûr la mutualisation des ressources et donc de mettre dans le même panier l'ensemble des irrigants, qu'ils soient du marais ou de la plaine, ou même du bocage au nord, et aussi à travers un modèle économique très, très important, une mutualisation qui est basée non pas simplement sur des aménagements, c'est-à-dire ce que vous avez appelé tout à l'heure des bassines, hein, ce qu'on appelle des réserves de substitution, peu importe, mais surtout une gestion extrêmement performante et réalisée par un acteur indépendant. Et ça, c'est vraiment ce qui a permis d'emporter le morceau, notamment auprès des associations environnementales, c'est-à-dire une transparence complète de tout ce qu'on fait, et puis un modèle de préservation de l'environnement qui est partagé avec tous. Et c'est le modèle économique qui sous-tend ça, on en parlera un tout petit peu à la fin. Qu'est-ce qu'on a fait quand on est arrivé, nous, d'abord pour construire les réserves, mais aussi pour les gérer, c'est de faire des allocations de volume à la quinzaine. Donc, vous avez un volume, il est à la quinzaine. Si vous ne le respectez pas, vous avez une pénalité financière qui est très, très forte. Cette pénalité financière, elle part à 50% chez le maître d'ouvrage et à 50% réinvesti pour l'amélioration du système. Le gestionnaire n'est pas là pour faire de l'argent sur les pénalités. En plus, c'est quelque chose qui est très variable, donc évidemment, il n'y compte pas. Mais au contraire, pour améliorer le système à partir d'un système, d'un modèle économique qui n'est pas basé que sur les pénalités financières, bien sûr, mais qui est basé sur un partage des coûts, qui est très important. Hein. On va le voir à la fin, je vous donnerai quelques chiffres. Vous allez voir que le partage des coûts est très important, parce que contrairement à ce qui a été dit, je suis désolé de vous contredire, mais c'est des ouvrages qui ne sont absolument pas financés à 100% par des fonds publics. Et donc, il y a un autofinancement qui est reporté sur la facture d'eau, qui est très important. C'est 50% de la facture pour être grossier. D'accord. Donc, en plus de maîtriser les volumes à la quinzaine, vous allez voir le petit modèle qu'on a mis en route pour faire ça, vous avez énormément de contrôle. On a du personnel dédié au contrôle qui, tout l'été, tourne sur l'ensemble des points de prélèvement en milieu de manière à les contrôler. Et ce qui permet de ne pas avoir une gestion purement agricole, mais une gestion dédiée à quelqu'un dont c'est le métier et qui n'est pas là pour éventuellement être influencé par un électeur, puisque la Chambre d'agriculture, quand elle fait des contrôles, elle contrôle ses électeurs. Je vous donne ici un exemple sur un indicateur, hein, dans le côté historique, hein, le plus ancien indicateur qu'on ait eu à suivre, parce que c'est intéressant. Vous avez des niveaux d'objectifs, début de campagne et fin de campagne. Vous avez des courbes de gestion, en fait. Hein, la première courbe, c'est une courbe d'alerte, mais qui ne sert pas à grand-chose, en fait, vous allez le voir. Une courbe d'alerte renforcée, en dessous duquel l'État prend la main. Donc, l'idée, c'est de toujours être au-dessus, bien entendu. Et une courbe d'arrêt, qui est la courbe d'équilibre entre la nappe et le marais. Donc, il est évident qu'on ne peut pas descendre en dessous. Je n'ai pas mis les courbes historiques, parce que ça aurait obligé à faire un graphique un peu différent, puisque les cotes d'arrêt des années 90-2000, c'est zéro. C'est-à-dire, on a dit, ah non, il ne faut quand même pas descendre en dessous du niveau de la mer. Donc, vous voyez que l'équilibre, il est à 2,50. C'est des niveaux EGF, bien sûr. Et donc, vous voyez que, bien évidemment, maintenant, l'objectif, c'est 3 mètres. C'est complètement différent de zéro. Hein. On est d'accord. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Une chose qui est une caractéristique qui est extrêmement importante et qui est souvent mal connue, c'est que cette nappe-là, c'est une nappe extrêmement réactive. Une pluie de printemps, voilà ce que ça donne. Vous avez une remontée de la nappe et une recharge. La recharge, quand il pleut, disons 80 mm à l'automne, hein, puisque c'est souvent comme ça que ça se passe, sur un épisode pluvieux de 2-3 jours, votre nappe, elle est entièrement rechargée et elle va déborder en surface. Hein. Vous allez avoir des débordements de surface, non seulement des débordements dans le marais, mais des débordements de surface, c'est-à-dire que vous allez commencer à inonder. La recharge, elle se fait en 48 heures à peu près. L'hiver. L'été, c'est un petit peu plus long. Vous avez là une semaine de recharge suite à une pluie d'une cinquantaine de millimètres. Mais vous voyez que la recharge peut être extrêmement rapide et que quand nous, on était ici, on fait des prévisions, c'est notre modèle qui fait le lien entre les prélèvements et l'impact sur le milieu.
qui a été rendu possible parce qu'on a mis des compteurs communicants qui permettent d'avoir les consommations tous les jours. Donc vous voyez qu'on avait fait une prévision ici, que la pluie nous a contredit, mais qu'après nos prévisions se révèlent extrêmement bonnes, et qu'ensuite quand on voit une prévision qui va ne pas respecter l'objectif, on va aller mettre des contraintes, c'est-à-dire qu'on va faire de la réduction de volume à la quinzaine, hein, puisque c'est comme ça que ça marche, on va faire des restrictions de manière à venir rester le plus proche possible de cette cote de 3 mètres qui est l'objectif que nous devons atteindre en fin d'été. Et donc, c'est bien notre expertise sur la relation entre les prélèvements et le milieu qui permet de venir faire cette gestion. Des aménagements sans gestion, ça n'en a pas ce résultat, bien évidemment. Vous voyez que sur une année très difficile, c'est-à-dire qu'elle a commencé avec un printemps très sec, comme on va probablement avoir cette année, là, l'objectif qui nous a été fixé, c'est de venir tangenter cette courbe-là. Bon, ben, on a fait les restrictions qui allaient bien de manière à la tangenter. Nous, on est gestionnaire, on n'est pas décideur ni élu, et donc on met en œuvre la politique de l'eau qui nous est demandée. Quand l'objectif de l'ensemble des partenaires, et notamment de l'OIGC, puisque c'est lui qui est responsable de ça, et je précise que l'OIGC, dans ce secteur-là, ça n'est pas la Chambre d'agriculture, mais un organisme public dépendant du ministère de l'Environnement, ce qui est, à mon avis, très important et très courageux de la part de l'État d'avoir fait ça, on a des objectifs, et ben on les suit. On est capable de les suivre techniquement, ce n'est pas le plus difficile. Je vais finir dans 5 minutes, ne vous inquiétez pas. Donc, ce que je voudrais préciser, c'est que on est sur... on a parlé des coûts de l'eau tout à l'heure, et donc on va commencer par ça. Là, on est sur 10 à 12 centimes en coût d'accès à l'eau. D'accord, c'est-à-dire avant même d'avoir les coûts d'irrigation, l'agricole a un coût de 10 à 12 centimes. Vous avez vu qu'on est très très loin de ce que nous a présenté le SMAR tout à l'heure, même si le SMAR a bien dit que ce serait 10 centimes si on payait tout. Hein. Et donc là, bah oui, c'est 10 à 12 centimes, ce qui veut dire que le rapport à l'eau à ce prix-là n'est pas du tout le même. À 10 à 12 centimes, on a vu un écroulement du maïs. On a vu une explosion du bio, puisque un tiers des surfaces sont passées en bio. Ça a pris 10 ans, mais on a un tiers des surfaces qui sont passées en bio. On a vu, bien sûr, une diversification très importante, avec la base qui avant était blé-maïs, est devenue blé, toujours un peu de maïs, bien sûr, notamment pour l'élevage, mais surtout des cultures contractuelles, pois, haricots, mojette, puisqu'on est en Vendée, et donc bien sûr on fait de la mojette vendéenne, et du melon, et la réimplantation d'une entreprise de jeunes plants de vigne qui est installée en Vendée et qui avait délocalisé dans les pays de l'Est ces plants de vigne pour des problèmes de sécurisation de l'eau et qui les a relocalisés suite aux aménagements qui ont été faits parce que ça lui permet de les faire sur place et c'est quand même plus intéressant et puis c'est effectivement extrêmement consommateur de main-d'œuvre, donc c'était important pour lui de l'avoir pas trop loin de ses bases. La sécurisation de l'élevage, je vous en ai parlé, c'est très important parce que sans élevage, pas de prairies, pas de marais. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir le graphique que je vous ai mis ici en bas à droite et qui est, là, vous avez une répartition des quinzaines de la demande en eau. La somme de chaque courbe, quelle qu'elle soit, fait 100%, puisque c'est une répartition de ce que vous avez disponible pour l'été. Et vous voyez que le secteur le plus ancien, qui est en bleu, est très différent du secteur des deux secteurs plus récents, qui eux sont complètement les mêmes, qui sont en rouge et en vert. Vous voyez une diminution de l'effet de pointe, parce qu'on a supprimé le maïs effet juillet-août, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est très vrai, pour se reporter sur des cultures d'automne, qui était quelque chose qui n'existait plus, parce que sans garantie de l'eau jusqu'à la fin de la campagne, avec des interdictions en cours de route, etc., vous ne pouvez pas faire des cultures qui ont besoin d'eau en automne. Et donc, on a vu une grande diversification et une différence progressive de la demande en eau, et qui vient de l'abandon du maïs, hein. C'est clair. Hein. Donc, si vous voulez, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas simplement un aménagement, c'est aussi une gestion, mais surtout, il y a un modèle économique derrière qui, du fait du prix de ces aménagements, qui reste encore beaucoup à charge des irrigants, a obligé à voir l'eau de manière très différente. On a vu sur le lait, qui est le secteur le plus à l'ouest et qui est le secteur le plus pauvre économiquement, des débats et des réactions extrêmement intéressantes quand on est arrivé en 2015. C'est-à-dire, est-ce que
Donc, c'est les gens qui sont plus loin de la Venise verte, et donc c'est les gens qui sont le plus loin de la conscience de la problématique de la surexploitation de la nappe. Et donc, pour eux, c'était, vous venez nous emmerder, l'eau, elle est inépuisable, laissez-nous tranquille, pourquoi on va payer pour faire quelque chose qu'on avait gratuitement jusqu'à présent ? Vous voyez, c'était des discours qui étaient comme ça. Et donc, il y a eu deux réactions. Certains ont dit, à ce prix-là, j'arrête. Et d'autres ont dit, on est bien obligé de continuer et on va se diversifier pour arriver à avoir une utilisation économique de l'eau qui soit différente. Ceux qui ont arrêté sont revenus au bout de 2-3 ans, parce que c'est compliqué d'être en sec sur ces milieux-là, notamment quand on est éleveur et qu'on a besoin de sécuriser l'alimentation de son élevage. Par contre, on a une mutation dans ce secteur-là qui est accélérée, parce que l'économie était un peu en déshérence avec des fermes qui étaient en mauvais état sur le plan économique. On en a quelques-uns qu'on aide à passer un cap difficile parce que la transformation, ça prend un peu de temps et que c'est compliqué au niveau des trésoreries notamment. On n'a pour l'instant perdu personne. Et je pense que c'est ça qui est très important, c'est qu'on n'a perdu personne. Voilà. C'est-à-dire que le modèle économique complexe qui est mis en œuvre avec une solution qui est chère, faut dire ce qui est, elle a obligé à voir l'eau autrement, à l'utiliser autrement et à faire d'autres cultures. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation. On arrive en effet à la fin de cet après-midi qui a été très riche. On a pu creuser différents enjeux liés à la ressource en eau dans différents milieux urbains, ruraux, dans des territoires aux typologies différentes. Et puis, on a eu le point de vue d'acteurs qui ont aussi des points de vue différents et complémentaires. Donc, j'espère que c'était intéressant pour l'ensemble de nos participants à qui on enverra les supports de présentation. Je sais que la question a été posée plusieurs fois. Pour ma part, je vous remercie et je remercie particulièrement nos intervenants d'avoir été disponibles avec nous cet après-midi pour partager tous ces savoirs et retours d'expérience avec nous. Et je vais donner la parole à Isabelle pour le mot de la fin. Merci beaucoup. En tout cas, c'était passionnant. Merci bien sûr au Comité 21, donc à William et à Sarah pour l'organisation de ce séminaire et la richesse des interventions proposées dans ce programme. Donc, merci évidemment aussi aux intervenants de nous avoir apporté leur expertise et leur expérience. Je pense que c'est un sujet absolument central de tous les sujets qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant. Je me demande si c'est pas celui qui m'angoisse le plus. Et en même temps, avec des projets qui sont qui nous permettent d'être pas totalement optimistes, mais enfin de voir qu'il y a quelques possibilité d'apporter des réponses. Alors, juste le petit mot, c'est simplement de rappeler donc la prochaine session qui sera également la dernière sur la forêt. Donc, je rappelle la date, le 21 avril matin, donc entre 9h et 11h30. Donc, à la fois les enjeux de la santé de la forêt, donc l'impact du réchauffement sur la forêt, le rôle de la forêt dans la lutte contre le changement climatique et dans la préservation de la biodiversité. Et puis également les nouveaux modèles économiques de la forêt, comment le réchauffement impacte l'exploitation des arbres et comment on peut également, au même titre que sur la gestion de la ressource en eau, faire différemment et utiliser la forêt pour cela, pour préserver la ressource. Voilà. Donc, merci infiniment en tous les cas à tous et donc à très bientôt.